I, Kofi Annan, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion, and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. Congratulations, sir. Lorsque Kofi Annan devient secrétaire général des Nations Unies, il entre dans l'arène politique trouble de la guerre et de la paix. Mais la crise irakienne éclate en 1998 sans lui donner le temps de se familiariser avec son nouveau rôle. Jusque-là fortement soutenu par les États-Unis, il fait maintenant face à leur opposition suite à l'échec de la mission spéciale des Nations Unies pour désarmer l'Irak. Nous voici arrivés au dernier jour de décision concernant les événements d'Irak. Nous exhortons le dictateur à quitter l'Irak, de sorte que le désarmement puisse avoir lieu pacifiquement. Dans une démarche sans précédent, Kofi Annan décide de rendre visite au dirigeant irakien Saddam Hussein, dans le but de conclure un accord de paix. Ancien collègue du secrétaire général, Bijan Farnoudi sait les efforts déployés par celui-ci pour faire régner la paix. Il a tendu la main à toutes les parties prenantes. Il a parlé à tout le monde, ce qui signifie qu'il était parfois assis autour d'une table avec des personnalités que vous pourriez décrire comme assez peu recommandables. Il s'est rendu à Bagdad avant l'invasion menée par les États-Unis en 2003 et a rencontré Saddam Hussein. Il a passé beaucoup de temps avec des personnes que beaucoup considéraient comme étant à l'origine des problèmes. Il était convaincu que sa position était la bonne parce qu'il était contre la guerre en Irak, parce qu'il ne croyait pas qu'il y avait des armes de destruction massive, et je pense que nous ne les avons toujours pas trouvées. Cependant, ses efforts pour la paix échouent lorsque les États-Unis envahissent l'Irak en mars 2003. Leur but est alors de renverser le gouvernement de Saddam Hussein. Lorsque Kofi Annan devient le 7e secrétaire général des Nations Unies, il arrive à la tête d'une organisation qui tente de se racheter des échecs de l'administration précédente. 6 semaines après avoir présenté le plan de réforme, quelqu'un a réussi à publier un article dans un journal pour se plaindre du fait que je n'avais toujours pas réformé l'ONU et ses agences au bout de 6 semaines. Défié, Kofi Annan fait face avec un grand sens de l'humour. J'ai commencé par m'excuser pour mon échec à réformer l'ONU en si peu de temps. Et Sergueï Lavrov, qui est aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères et était le seul communiste dans la salle, a cité la Bible. Il a dit, « Monsieur le secrétaire général, de quoi vous plaignez-vous ? Vous avez eu plus de temps que Dieu pour créer le monde. » Et j'ai dit, « Oui, vous avez raison, mais Dieu avait un avantage unique. Il travaillait seul. » Et en effet, il démarre sur les chapeaux de roue. Peu de temps après avoir prêté serment, il publie 2 rapports sur les réformes de la gestion de son administration. Il réussit également à fusionner de nombreux services redondants et à réduire rapidement les effectifs à hauteur de 1000 personnes. Monsieur Annan était très exigeant envers le personnel. C'était quelqu'un de haut calibre qui ne pouvait pas rester immobile. Il ne savait pas faire une pause. Il planifiait et préparait constamment de nouveaux projets et il attendait la même chose de son personnel. Et le monde de Kofi Annan est un monde différent du monde ordinaire des gens ordinaires. Vous interagissez au plus haut niveau. Les enjeux sont importants et tous les yeux sont sur vous. Et quand Kofi Annan commençait à faire comme ça sur la table, vous saviez qu'il était temps de conclure la réunion, de dire poliment à la personne « Merci beaucoup, mais Monsieur Annan doit maintenant se rendre à son prochain rendez-vous ». C'était très rythmé. Au-delà des réformes qu'il doit entreprendre, des crises couvent aux 4 coins du monde, notamment le conflit au Timor oriental. L'Indonésie n'est alors pas disposée à accorder l'indépendance au Timor oriental. Mais Kofi Annan convainc le gouvernement de Suharto d'autoriser un référendum pour que la population du Timor oriental se prononce. Celle-ci vote pour l'indépendance et l'enfer se déchaîne. Concernant le Timor oriental, il était très impliqué par la résolution de ce problème et cela signifiait recevoir des appels la nuit et travailler toute la journée. Il était tellement impliqué dans son travail que je devais conduire la voiture si nous sortions quelque part. Mais Kofi Annan convainc le gouvernement indonésien à négocier et un nouvel État voit le jour. Le comité du prix Nobel de la paix prend alors note de cette initiative ainsi que celle au Kosovo et au Yémen. L'attribution du prix Nobel de la paix consacre sa brillante carrière diplomatique. La paix doit être recherchée avant tout, parce que c'est une condition pour que chaque membre de la famille humaine puisse vivre une vie digne et sûre. Ce sont en fait mes parents qui ont appelé de Suède pour dire « Tu as reçu le prix Nobel de la paix, c'est tellement merveilleux ». C'était une personne très modeste, une personne très humble. Mais pour ce cas particulier, il était tellement ravi, à la fois pour les Nations Unies et ce qu'elles représentent, et aussi, bien sûr, très heureux pour lui-même. Kofi Annan est né parmi la population Ashanti. Ses racines culturelles et la philosophie de vie des Ashanti ont pu jouer un grand rôle pour forger ses compétences en leadership. Notre tradition est fondée sur la pratique démocratique de la gouvernance. Nous avons été élevés sur des principes tels que l'état de droit, le respect des droits de l'homme, ainsi que la liberté de pensée, d'expression et d'association. Kofi est donc devenu fonctionnaire international aux Nations Unies et il a porté cette valeur de libéralisme. Il avait une vision globale des choses, en parlant toujours du respect des droits de l'homme, de la tolérance. C'était notre tradition. Juste avant l'apogée de la guerre en Irak, Kofi Annan reçoit le titre honorifique de Boussoumourou du roi Osei Tutu II, l'actuel roi Ashanti. Le roi avait le plus grand respect pour Kofi Annan. C'est pourquoi il a décidé de lui conférer le titre de Boussoumourou, qui signifie « fils du tabouret d'or ». Et c'est la première et la seule personne à avoir reçu cet honneur depuis l'avènement de l'Empire Ashanti au XVIIe siècle. Je pense donc que ça en dit long sur la haute estime qu'il avait pour Kofi Annan. Ses racines profondes en Afrique étaient extrêmement importantes pour lui. Son identité n'a jamais été incertaine. Le titre de Boussoumourou lui a été décerné pour sa contribution désintéressée à la paix mondiale. Donc, il convient parfaitement à ce qu'il a vraiment fait sur la scène internationale. Mais le dernier effort de réforme de Kofi Annan est de faire participer la société civile aux Nations Unies. Une mesure controversée mais qu'il a promue avec opiniâtreté jusqu'à ce qu'elle soit intégrée au système. En tant que secrétaire général, j'ai ouvert l'organisation pour faire participer le secteur privé ainsi que la société civile. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. Le monde changeait et la voix des populations et de la société civile était importante. Mais l'autre raison était que l'ONU avait un mandat si vaste. Nous avions beaucoup de choses à faire et nous ne pouvions les faire seuls. Avec le secteur des sociétés civiles ainsi que le secteur privé, vous renforcez la société. Bien qu'il soit globalement reconnu par beaucoup pour ses missions de promotion de la paix et de réconciliation, Kofi Annan n'échappe pas aux critiques de ses pairs au sein des Nations Unies. Sa crédibilité est remise en cause en 2004 lorsqu'un rapport accuse son fils, Kojo, d'avoir directement bénéficié d'un programme des Nations Unies, connu sous le nom de pétrole contre nourriture. Cette allégation s'avère par la suite fausse. Père et fils ont alors rétabli la vérité. Assurément, d'autres pays et partis avaient leurs propres projets, et bien entendu, l'intégrité de mon père était absolue. Ainsi, ils ne trouvaient en lui aucune zone d'ombre. Ils cherchaient encore et encore, mais ne trouvaient rien. Ils se sont alors demandé où trouver le maillon faible. Oh, il a un fils qui fait des affaires en Afrique. Je me souviens des gros titres disant que j'avais une société de négoce de pétrole au Nigeria et des gros titres selon lesquels je faisais du commerce de pétrole avec Saddam Hussein en Irak. Je n'étais jamais allé en Irak. Je n'avais jamais rencontré Saddam Hussein. Quelques années plus tard, j'ai poursuivi le Sunday Times et gagner un procès en diffamation. Mais bien sûr, au plus fort de la tempête, faute d'un meilleur mot, il y avait bien sûr des sensibilités entre mon père et moi, et les médias ont extrapolé en me présentant comme le fils qui avait déçu Kofi. C'était le pont qu'ils ont essayé de briser, mais vous savez, les liens familiaux seront toujours plus forts, et ce n'était vraiment qu'un petit écueil dans le cours de la vie. En 2006, après une illustre carrière aux Nations Unies qui a duré plusieurs décennies, Kofi Annan prononce au monde son discours d'adieu en tant que secrétaire général de l'organisation. Chers amis et collègues, dire au revoir n'est jamais facile. J'ai passé la majeure partie de ma vie à travailler avec les Nations Unies. Je me sens ici chez moi. Je pense qu'aucun autre travail au monde n'aurait été aussi gratifiant. Sans votre soutien, je n'aurais pas pu réaliser ce que j'ai fait ou traverser des moments très difficiles. Je compte sur vous pour poursuivre votre travail indispensable et je vous souhaite un franc succès dans les années à venir. Quand je me suis retiré de mon poste de secrétaire général, Nan, mon épouse et moi étions très fatigués. Nous avons donc décidé de nous reposer. Nous avons donc emprunté la maison d'un ami dans la région de Côme, en Italie. Elle était adjacente à une forêt afin que nous puissions marcher dans la forêt, faire de l'exercice sans nous exposer parce que nous voulions vraiment être incognito. On a dit pas de radio, pas de télévision, pas de journaux. J'étais déterminé à le faire pendant 3 mois. Mais au bout de 6 semaines, je m'ennuyais et j'ai dit « Allons chercher un journal ». Nous sommes donc entrés dans un magasin et en quelques minutes, un groupe de personnes s'est formé et nous observait. L'une d'elles s'est détachée et s'est approchée. Il nous restait 6 semaines et on avait brisé notre couverture. Comment allait-on gérer ça au village ? À ce moment-là, le gars était face à moi. Il a tendu la main et a dit « Morgan Freeman ». Puis-je avoir un autographe ? Alors j'ai dit « Bien sûr ». Kofi Annan ne met cependant pas un terme à son engagement pour la paix. En 2007, il fonde la Fondation Kofi Annan, une organisation indépendante à but non lucratif qu'il utilise pour promouvoir une meilleure gouvernance mondiale et la paix. Il installe son bureau à Genève, la ville où il a commencé sa carrière. Quand il a quitté son poste, ce n'était pas qu'il avait une vie paisible. Les gens lui demandaient encore des conseils et de l'aide. C'est pourquoi il a créé la fondation Kofi Annan, où il pouvait recueillir la volonté politique et il a simplement continué ce qu'il avait toujours fait. Lorsqu'il a quitté les Nations Unies, M. Annan est venu en Suisse. Ce n'était pas quelqu'un qui allait prendre sa retraite et jouer au golf. Il a pris sa retraite de la retraite, comme il le disait souvent, puis a créé la fondation en son nom propre afin de poursuivre son travail. there's still no end in sight to the political violence in Kenya, which has claimed the lives of nearly 900 people. The sirens echo through Nairobi as supporters of President Mwai Kibaki and opposition candidate Raila Odinga try to settle on the street what they could not decide at the ballot box. What will it take to bring calm to Kenya? C'est en 2008 que Kofi Annan s'attelle à sa première tâche importante dans le cadre de sa fondation. Un conflit interne éclate au Kenya, pays est-africain, après l'annonce des résultats d'élections contestées. L'ancien président ghanéen John Kufuor est le premier médiateur envoyé dans le pays. Il vient alors d'accéder au poste de président de l'Union africaine. Les informations qui nous parvenaient n'étaient pas bonnes. Des meurtres, des destructions de biens. Et en peu de temps, plus de 1000 personnes avaient perdu la vie. En tant que chef de l'Union africaine, je pensais qu'il était de mon devoir d'aller à Nairobi pour raisonner les deux camps. J'ai constaté qu'il y avait une situation inconciliable entre le gouvernement et l'opposition. Je n'avais qu'un temps très limité. Je pense qu'après le deuxième jour, le temps me manquait. J'ai réfléchi et le nom de Kofi Annan m'est venu à l'esprit. Les projecteurs se tournent alors sur Kofi Annan, qui est appelé à arbitrer le conflit. Il fallait tenir un dialogue sous les auspices d'éminents africains. Le président Kibaki a volontiers accepté le nom de Kofi Annan. Alors je me suis précipité à l'Intercontinental pour rencontrer Raila et les autres. Ils ont dit avec lui on pourrait discuter. À la tête d'une équipe d'éminentes personnalités africaines, Kofi Annan déclare avec assurance que son travail consiste à parvenir à une solution pacifique dans les plus brefs délais. Nana Appenteng travaille alors main dans la main avec Kofi Annan pendant les pourparlers de médiation. En coulisses, il avait un rôle de conseiller. Lorsque la crise kenyane s'est produite, le président Kufuor m'a appelé et m'a dit que je devais me préparer à aller au Kenya. J'ai demandé pourquoi et il a dit que Kofi Annan souhaitait ma présence, car il avait besoin de mon aide. C'est ainsi que je me suis retrouvé au Kenya. Et à mon arrivée, j'étais censé rester là-bas pendant environ 2 semaines. Malheureusement, j'ai fini par y rester 6 ans. Je pense que dès le début, on le considérait comme impartial. Il inspirait le respect en raison du rôle international qu'il avait joué. Nous étions donc confiants dans le fait que la bonne volonté, sans esprit partisan, pourrait nous rapprocher. Et la première chose que le regretté Kofi Annan a fait quand il est arrivé a été de mettre les équipes de négociation des deux parties dans une pièce. Il nous a demandé de nous serrer la main. Personnellement, j'ai trouvé ça presque offensant, mais je ne l'ai pas dit. Et nous sommes allés de l'avant, à contre-cœur, en mon fort intérieur. On a tendu nos bras et on s'est serré la main. Et cela a dissipé la tension et la gêne. Ensuite, il a expliqué comment il souhaitait qu'on procède. Je pense qu'il est important qu'on fasse tout ce qu'on peut, non seulement pour mettre fin à la violence, pour ramener la paix et la stabilité ici, mais aussi pour examiner les causes profondes du problème. Vous êtes tous Kenyans, il n'y a qu'un seul Kenya, et nous devons penser à notre humanité commune et à ce qui nous unit plutôt qu'à ce qui nous divise. En 41 jours, Kofi Annan réussit à négocier plusieurs accords de paix. Ceux-ci ont conduit les deux dirigeants belligérants à signer un accord de paix. Cet accord a été signé sur les marches de l'Harambee House et tout le pays, tout le monde regardait. Je pense que l'euphorie au Kenya à cette époque dépassait mon imagination. Cet accord marque la naissance d'un gouvernement de coalition au Kenya. Kofi Annan est à nouveau impliqué dans des pourparlers de médiation pendant la crise syrienne qui éclate en 2011. Il est nommé émissaire conjoint de la Ligue arabe et des Nations unies en Syrie dans le but de négocier un accord de paix entre les factions combattantes. Avant de commencer, j'ai dit au Conseil de sécurité, c'est une tâche presque impossible. Mais je pense qu'on peut faire la différence si on est soutenu et que vous, le Conseil, restez unis. Ils l'ont fait au début, mais les divisions ont refait surface. Kofi Annan échoue cependant dans sa mission de paix en Syrie. Un échec qu'il attribue à un manque de volonté politique de la part des dirigeants syriens. Il continue de tenir de nombreux pourparlers et des séminaires sur les questions de paix et de gouvernance. Il tient notamment des discussions sur la gouvernance à l'université McAllister et à la Blavatnik School of Government. Vous devez affirmer votre pertinence et votre influence et vous engager. Les portes ne resteront pas fermées. Le 18 août 2018 au matin, le monde se réveille à l'annonce de la mort de Kofi Annan après une courte maladie en Suisse. J'étais à Londres lorsque ma sœur m'a envoyé un message de Madame Annan. Il disait qu'il était gravement malade et qu'on devait prier. Tôt le matin, j'ai vu ce message de Kojo sur WhatsApp. « Contacte Amma ». Puis j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer en disant « Non, mon oncle n'est pas mort ». Quand j'ai appelé Amma, elle a dit que je ne devais pas pleurer parce qu'il avait eu une bonne vie. On devait se souvenir de ce qu'il avait fait. Ce fut une journée très sombre pour nous. La sœur aînée de Kofi Annan, Alice Adakwe, avait compris que son frère n'était plus. Le matin où l'oncle Kofi est mort, maman était fâchée. Elle disait « Pourquoi est-ce que l'oncle Kofi est assis ici seul et qu'ils ne sont pas tous avec lui ?» Et on lui a apporté son repas. Pendant qu'elle mangeait, elle a demandé « Pourquoi Kofi est-il seul assis là-bas » J'ai dit « Maman, Kofi n'est pas là. » « Comment ça? Il est là-bas » Ce fut en effet un grand choc d'entendre cela. Et la difficulté à cette époque était de savoir comment annoncer la nouvelle à sa sœur. C'était vraiment très difficile. De temps en temps, on la voit pleurer. « Oh Kofi, Kofi, j'aurais dû partir. » J'aurais dû partir et Kofi se serait occupé de tout. Kofi m'aurait enterré. Kofi est parti et m'a quitté. Je ne mens pas, si vous restiez, vous l'entendriez le dire. Kofi est parti et m'a quitté. Il m'a laissé seul. Les principales leçons que j'ai tirées de mon père datent de l'époque où il était ce grand homme d'État de stature internationale. Pour nous, il était juste notre papa. On avait l'habitude de discuter parfois comme des enfants, il était incroyable. Parfois, il m'ennuyait comme tout le monde. Mais je pense que les leçons clés que j'ai reçues et que je transmettrai à mes enfants sont le respect, l'intégrité et aussi juste un devoir général de soins et d'empathie envers les autres êtres humains. En guise de réconfort pour moi-même et les autres, je dis qu'il est mort paisiblement. En famille, nous étions là pour ces derniers jours. Je lui chuchotais combien il était aimé et combien il avait contribué. Sa vie doit être célébrée. Même dans la mort, Kofi Annan est salué comme un véritable homme d'État international. Ses amis, sa famille, ainsi que des dirigeants de différents milieux, est venu des quatre coins du monde assiste à ses funérailles. Le décès de Kofi Annan ne pouvait se produire à un pire moment. La branche maternelle de la famille est empêtrée dans une bataille juridique concernant la chefferie de l'Aqua Moufi. Ses compétences pour résoudre ce problème manquent cruellement. Vous savez, les gens me demandent souvent à quoi ressemblait Kofi Annan. Comment était-il vraiment? Et la réponse est toujours qu'il était exactement comme on l'imagine. Il n'y avait pas de Kofi Annan. Le Kofi Annan que vous connaissez en regardant la télévision, en regardant les nouvelles du soir pendant 10 ans quand il était secrétaire général, c'était le seul Kofi Annan qu'il y avait. Il n'y avait pas d'autre Kofi Annan. La façon dont il se comportait était la même. Le ton de sa voix, l'énergie qu'il dégageait, la façon dont il vous faisait sentir étaient les mêmes. Il avait du cœur. C'est-à-dire qu'il comprenait très bien que ce dont vous vous souviendrez après l'avoir rencontré n'était pas ce que vous aviez dit. C'était ce qu'il vous avait fait ressentir. Les gens se souviennent de la façon dont il les faisait se sentir. Eh bien, il voulait que la Fondation continue. Alors nous continuerons de faire de notre mieux pour que l'élan se poursuive. Nous avons reçu beaucoup de soutien et d'encouragement de partout dans le monde. De toute évidence, avec le décès de M. Annan, la Fondation a perdu son principal porte-parole. Mais les choses qu'il défendait restent d'actualité. Et c'est sur cela que nous devons nous concentrer. Eh bien, l'esprit du leader reste dans la Fondation. Et pas seulement son esprit, mais sa façon de faire les choses, les valeurs qui ont inspiré les choses qu'il a faites. Il a aidé des personnes vivant dans des communautés instables et fragiles, dans des sociétés fragiles, dans des pays fragiles, à construire une paix durable en surmontant les menaces auxquelles elles s'étaient confrontées, qu'il s'agisse de problèmes liés à la gouvernance, aux élections ou autres. Telle sera la mission de la Fondation Kofi Annan, construire une paix durable dans les endroits fragiles. Quoi qu'il en soit, l'héritage que Kofi Annan laisse derrière lui reste bien vivant. Il croyait que les 3 piliers de la société étaient interconnectés. Paix et sécurité, droits de l'homme et développement inclusif. Son héritage doit être perpétué. Sa vie était au service de l'humanité. Kofi Annan a œuvré sans relâche pour la paix, la bonne gouvernance et la réconciliation. Il restera dans la vie de beaucoup pour son rôle dans les efforts de paix à travers le monde. Repose en paix, Bosumuru Kofi Annan.